this time we'll blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. And shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Not that I wish to imply you have been sleeping on the job. No one is more deserving of a rest, and all the effort in the world would have gone to waste until... Well, let's just say your hour has come again. The right man in the wrong place can make all the difference in the world. So wake up, Mr. Freeman. Wake up and smell the ashes. Salut tout le monde, c'est Leo Van Cleef. Et donc, eh bien, on se retrouve sur Half-Life 2. Donc, Half-Life 2 qui est sorti en fin 2004, et donc j'aurai comme pour Half-Life 1, je pense, deux vidéos sur Half-Life 2, une vidéo pour épisode 1, une vidéo pour épisode 2, voilà. Parce que la dernière fois ça avait bien marché, c'était assez précis quand même, et puis voilà. Donc on s'est réveillé dans la trame. Alors, je vais faire un petit spoil, putain, enfoiré. Spoil, c'est sur la fin de Half-Life 1 en fait. Donc à la fin de Half-Life 1, comme je vous disais, on tuait le méchant extraterrestre de Xen, le chef, et le G-Man, on se retrouvait dans une espèce de rame comme ça. Enfin, c'était une rame de Half-Life, et le G-Man nous proposait de travailler avec lui. Donc soit on le suivait dans son espèce de rayon vert, quoi, soit... En fait, on le suivait pas et il nous envoyait sur Xen, on se faisait buter en fait. Donc on a accepté de travailler pour le G-Man et on se réveille dans ce train, voilà. Et nous sommes dans la cité City 17, donc une cité qui est dominée par ce type là. Qu'on voit plus, bah c'est lui là, voilà. Ouais, c'est lui. Et qui un peu domine la cité, c'est un petit peu un état totalitaire. Regardez là-bas, un Vortigone. Si vous vous souvenez, ils étaient à moitié esclaves dans le Half-Life 1. Et là, vous voyez, tu vois, leurs chaînes sont brisées. Et donc, ils sont intégrés à la planète, en fait, disons. Hop. Je sais pas si on va continuer là-dedans, parce que c'est un peu chiant. Je voulais juste vous montrer l'intro, en fait. On va faire juste... ouais, encore 5 minutes. Par contre, j'entends pas super le son là, c'est assez faible là. Je sais pas si vous entendrez bien. Vous. Je vais peut-être augmenter un petit peu le son pour moi en fait. Je fais une petite coupure ici. Voilà. Bon, c'est pas mieux, mais on se barre, on s'en fout. Donc déjà, vous voyez, donc on est en 2004 et c'est graphiquement c'est un super moteur. Donc le jeu est sorti sur PC, mais en fait, je les ai tous faits sur l'Xbox avec la Orange Box. Et me tape pas, monsieur. Fou des coups, l'enfoiré. Ok.
Donc je les ai fait sur la Orange Box, hein, je les ai tous fait, je les ai tous torché, j'ai adoré. C'est vrai que c'était mon premier Half-Life. Et quand même graphiquement c'est super joli. Il y a vraiment des détails super. Ah oui, regardez un mec qui se fait... qui va se retabasser là. Oh oui, c'est pas super rigolo comme endroit. Alors il y a beaucoup de présentations de nouveaux personnages, donc là on va en rencontrer deux déjà. Alors lui ça doit être un agent de sécurité de Black Mesa. Alors il y a lui, puis il y aura un scientifique. Je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Voilà, c'est lui. Sorry, Doc, but look who's here. Great Scott! Gordon Freeman! Donc Gordon ne parle toujours pas, hein. Comme dans le 1 en fait. Par contre, il y a une physique superbe dans celui-ci qu'on peut vraiment tout prendre, quoi. Ça, c'est un gros truc de fou furieux. Vous pouvez tout prendre, tout ramasser, tout mettre où vous voulez. C'est impressionnant. Même dans les jeux actuels, ils font pas ça, quoi. Ils le font pas aussi pousser le moteur physique. Quoi. C'est vrai qu'on peut tout faire quoi. Je peux empiler les objets si je veux. Hop. Voilà. On peut tout prendre. Et c'est encore plus bluffant une fois qu'on a le Gravity Gun. Qui nous permet en fait un flingue qui nous permet de prendre tout ce qu'on veut. Même les objets super lourds. Voilà, empiler des trucs. Hop, on va se faire un petit pont. On va bientôt changer de niveau parce que là, on a rien, on n'a pas l'armure, on n'a même pas d'armes. Un truc un peu chiant dans ce jeu, c'est que c'est toujours des mini chargements un peu comme dans le premier, sauf que là ils sont beaucoup plus longs quand même. Bon, celui-là était assez rapide, mais enfin je me souviens que sur ma box c'était long, sur le PC un petit peu moins. Voilà. Là, c'est assez rigolo. Ramasse cette boîte. Il faut la remettre dans la poubelle si on veut passer. Voilà, c'est lui le directeur. Je sais plus comment il s'appelle, c'est je sais plus. Vous pouvez parler toujours à tous les mecs, hein. Une petite ligne de dialogue. Vous voyez que c'est un peu la misère, ils sont vachement exploités et tout. Et donc niveau scénar, bah, en fait, on devait travailler avec le G-Man, mais... Donc on va toujours voir le G-Man comme ça au cours de l'aventure, un petit peu partout. Enfin, un peu moins que dans le 1 quand même. Hein. C'est des environnements beaucoup plus ouverts, vous voyez. Enfin ouvert, là c'est complètement fermé, hein. Je peux pas aller dans au fond là-bas. Là ça rame un peu là. Donc on devait travailler pour le G-Man, mais on sait toujours pas ce qu'il veut qu'on fasse comme boulot en fait. Donc là en fait on se retrouve propulsé dans la cité, on est à moitié poursuivi par les agents de temps en temps. Il va falloir se barrer, essayer de retrouver notre armure, tout ça. Scénaristiquement c'est assez brouillon encore une fois. Assez décousu, voilà. C'est vrai que les Half-Life, autant j'aime beaucoup l'univers, autant le scénar m'a jamais... Oula. Tu regardais un Strider. Donc ça, c'est les extraterrestres, en fait, ils ont réussi à en dominer certains. Et les extraterrestres de Xen. Donc les Vortigones ou les Striders, ils les utilisent, en fait, voilà. Et donc, en fait, on va se retrouver un petit peu au hasard dans la peau de... du libérateur de la cité si vous voulez, parce qu'il y a forcément une rébellion contre les trucs totalitaires là, et nous on va se retrouver à la tête, on va être le Freeman, en plus Freeman, vous voyez, le jeu de mots avec son nom, l'homme libre évidemment. Donc voilà. Légèrement long. Encore sur la Xbox c'était pire. Donc voilà, on va se retrouver dans la peau du libérateur, on sait pas trop comment. Au début on va essayer de retrouver en fait un autre scientifique qu'on connaissait à Black Mesa avec sa fille, c'est Ellie Vance je crois. Alors regardez, on peut même carrément déconnecter la télé, c'est pas mal. On peut pas la casser par contre, je crois pas. Il n'y aura pas de vitres brisées ou de trucs comme ça, je crois pas. Ah, encore que, attendez, j'ai un doute là.
Putain, fais pas chier, Kratos. J'ai un doute. Est-ce qu'il est... Non, c'est pas cassé. Et on va essayer de... On va trouver aussi sa fille, donc il s'appelle... Comment il s'appelle sa fille, déjà? Je sais plus, c'est Alix Vance. Donc j'aurai une espèce de petite idylle entre les deux, mais bon... C'est pas... C'est suggéré, mais pas montré, hein. Donc là, en fait, ils sont en train d'investir le bâtiment, parce qu'il y aura des rebelles ou un truc comme ça, ou je sais plus. On va bientôt changer, de toute façon. Donc on va se faire courser. Parce que je vais vous montrer toutes les armes, tout ça. Voilà. Toujours d'excellente musique, alors ça, c'est vraiment... Et moi, je suis un fan absolu des musiques de Half-Life, c'est vrai. Il y a vraiment de superbes compos, mais toujours aussi rares, quoi. C'est le truc à souligner, comme dans Half-Life 1, en fait. Les musiques qui se déclenchent vraiment au bon moment, et assez rares, finalement. Hop! Regardez la ville, vraiment super. Bon, c'est toujours assez linéaire, par contre. C'est plus ouvert, plus grand. Vous aurez des passages en véhicule qui seront, eux, assez grands, mais ça reste quand même assez fermé, quoi. Il y aura un passage en bateau et en voiture. Ah! Mais j'ai pas de barre de ville, en fait, au début. Ouais, comme j'ai pas l'armure, on voit pas l'interface de ma vie. On va voir vite fait Alix normalement. Si je me souviens bien. Oula. Ah, qu'est-ce que je suis censé faire là? Bah je crois que je suis venu me faire péter la gueule en fait. Voilà, c'est elle. Voilà. Très beau détail sur le village si vous remarquez. Regardez les yeux, la pigmentation de la peau vraiment. C'est vraiment super joli, c'est encore regardable, c'est encore jouable, il n'y a aucun problème. Voilà, elle les a tous tués avec son Nunchaku, elle a aucune arme en plus, elle est trop forte. Bon, on va passer à une autre partie, je vous le dis à tout de suite. Nous voilà sur une autre partie, donc un petit peu plus loin dans le jeu, je vais vous montrer une phase en véhicule. Alors déjà, qu'est-ce que j'ai comme arme? Alors toujours le fameux pied de biche, qui ne fait plus son bruit métallique par contre. La deuxième arme, voilà, le pistolet anti-gravité, c'est vraiment le gros truc de ce Half-Life, qui permet de choper les objets comme ça, et les envoyer valdinguer, évidemment sur les ennemis, sur tout ce que vous voulez, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, quoi. Et ça, c'est vraiment super. Environnement encore destructible, hein, comme les caisses, on peut les casser, si vous voulez tirer dans les murs, normalement, ils finissent par se casser. Regardez, même les débris, quoi, les débris se brisent encore un petit peu, je crois, si on les casse. Regardez, celui-là il s'est brisé en deux. C'est quand même fou quoi, regardez le détail quoi. Le nombre de composants qu'ils ont ajouté quand on casse la caisse et qu'on peut encore recasser quoi, c'est hallucinant. Vraiment hallucinant. Qu'est-ce qu'on a donc? Ah bah un petit flingue, un petit peu comme dans le Half-Life 1. Le gros revolver. Est-ce qu'on l'avait dans le Half-Life 1 celui-là? Je sais plus, tiens. Une fusil d'assaut, bon un peu comme dans Half-Life 1. Juste après, un fusil à pulsion, ça on l'avait pas dans Half-Life 1, vraiment pas mal. Toujours un tir secondaire, vous voyez alternatif en bas à droite. Niveau d'interface, donc toujours santé, combi, là les points d'armure, les munitions, et le tir alternatif. Le fusil à pompe, qui est à peu près le même design que dans Half-Life 1. Et là, j'ai rien de plus. Je vais vous montrer une partie encore un petit peu plus loin, là, on va faire peut-être 10 minutes de voiture. Monsieur, la lampe toujours.